C'est mignon. Voilà. Alors là, t'es au courant que t'as l'appât qui s'est posé sur toi, le poisson. Tu pouvais pas ne pas le manquer. Est-ce qu'on ferait pas une avance rapide? Je pense que c'est jusqu'à ce qu'on attrape Froggy. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Parce que là, c'est pas possible. Ça commence à faire too much là. Alors, je vais faire un bruit de chips vite fait, excusez-moi. Trop bon, le Pringles. Je te lâche un bite maintenant que t'as la bouche pleine. Vas-y. Ok. On est pas là. C'est pour ça que nous, les Ecologiques, on est abonnés que à Motus. Oui, c'est vrai ça. Mais ça serait bien aussi de penser au public de Slam. S'il te plaît. Oui, c'est vrai, pardon. Putain, la gueule qu'il a. On dirait qu'il tire la langue, il fait. Ah, fuck! D'ailleurs, je voulais en parler dans un épisode, mais on va peut-être en parler là maintenant, parce que c'est peut-être pas super intéressant. T'as vu ou pas la vidéo que j'ai envoyée hier sur la conversation Non, j'ai pas vu. J'étais peut-être encore dans la voiture ou je sais plus. Parce que Barry des Grumps, ouais. Il a sa propre chaîne maintenant. Ah, ça y est? Ouais. Parce que j'étais un peu... Ouais, je savais pas ce qu'il faisait. Bah, il a sa propre chaîne et notamment, il sort des How About, comme il a fait avec Skyward Sword. Et là, il en a fait un sur Mario Galaxy. Pour expliquer en fait pourquoi Mario Galaxy est cool, tu vois. Mais au final, genre, on s'en rappelle pas et en fait, il est pas si top. Bah en fait, il est bien fichu, mais je pense que dans l'univers, il y a un truc qui clique pas. Bah ouais. Mais tu sais, et justement, il explique pourquoi. C'est parce que c'est un mélange entre un Mario 64. Enfin, tu sais, genre, Nintendo est sorti deux timelines, enfin deux catégories pour ces Mario 3D. Ouais, c'est vrai. T'avais Mario 3D Open World et Mario 3D en ligne droite. Ouais. Donc par exemple, New Super Mario Bros ou Mario Bros 3D, Mario Land 3D ouais. Sur Wii U, ouais. Ça c'était des 3D mais qui étaient dans les vieux Mario avec la map où tu vas de niveau en niveau et voilà. C'est quoi. Ça, alors ouais. Que t'en as d'autres qui sont en mode exploration et tu vas choper une étoile. Et parce qu'à chaque fois que tu chopes une étoile différente, bah genre le niveau change, enfin tu fais ce genre de choses. D'accord. Et là pour le coup, bah, c'est vrai que dans Mario Galaxy, bah, les trois quarts du temps, c'est on te montre une cinématique au début, ok, l'étoile est là, et en fait, t'as pas vraiment le choix, tu vas tout droit. Tu vas jusqu'à l'étoile, en fait, tu la cherches pas. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu vois, dans le deuxième niveau de Mario, là, de Mario 64, pardon, dans la forteresse Womp, là. Ouais. L'étoile cachée dans le mur où tu dois balancer un coup de canon dans un coin de mur. Oui, c'est très planqué, ouais. Ça, ouais, c'est d'exploration. En plus, on te met pas de cinématique au début pour te dire que c'est ce mur-là dans lequel ouais. Tu dois tirer. Enfin, tu vois, c'est. C'est vrai. T'as plus de recherche et d'exploration, et pour le coup. Comme il le dit, c'est genre the reward is the journey. Oui. Alors que dans Mario Galaxy, the reward is the reward. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et le problème, c'est que même en fait dans le système de reward, bah Mario Galaxy est beaucoup trop facile parce que les vies t'en as 15 000. Les pièces, elles te servent pas à grand chose si tu n'as récupéré ta vie. Ouais, je sais. Les Star Beats, t'en as partout et en même temps, ça te sert pas à grand chose si ce n'est à activer des. Oui, si ce n'est à activer des Goomba ou trucs comme ça. Ouais, ouais, ouais. Mais sinon, t'as pas. Et tu vois, même si quand tu te déplaces d'une planète à une autre, c'est des étoiles qui te mènent dans des. Enfin, tu vois, c'est des couloirs en fait. Ouais, non, je vois exactement ce que tu veux dire. Ah, faudrait que je regarde tes vidéos. Moi ça m'intéresse ces trucs là maintenant de savoir. En plus je trouve que Barry il explique très bien. En plus surtout il a les sujets. Moi, oui, je trouve c'est que ça. C'est pas les sujets bateaux. Putain oh le tutoriel de Megaman, oui c'est bon, on sait. Ouais. Ok. Lui il va vraiment il va chercher dans des un peu ailleurs, plus ouais. Précis, tu vois, plus pointu. Ouais. Mais après moi ce que je déplore un peu avec sa vidéo justement sur Mario Galaxy. Merde. Tu vas mourir. Non mais putain, t'es mort. On va pas faire game over quand même. Non il te reste une vie encore. Ce qui me fait un peu chier, c'est que en fait sa vidéo elle ressemble beaucoup à celle de Skyward Sword. En fait, ouais. Il reproche un peu la même chose à aux deux. C'était peut-être aussi histoire de se dire je relance les vidéos. Ouais. Comme ça, il reprend ses marques et après il pourra peut-être tenter plus. Parce que au final, les critiques sont un peu les mêmes, c'est qu'il les critique tous les deux d'être entre deux trucs, d'être entre linéarité et exploration, et de pas trouver le juste milieu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, pendant ce temps-là, Froggy. Oh! Merci pour blague! Pétasse! T'es
Enfin, t'es jeune, t'as de l'espoir. Écoute, c'est beau. Idéaliste encore. Après, ouais, ouais. La seule solution que j'ai, après, pour le coup, c'est sacrifier un poulet. Donc, il y a vraiment. Je sais plus quoi faire maintenant. Hein. Ah, bah, il y en a un là. Le président Coq-Coq est pas content. Ceci était un communiqué du président Coq-Coq. Non. Juste. Non. Non. C'est un nom vénère, genre. Non. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc, que voulez-vous, président? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je... Oh non, je peux pas lui dire ça. Un président qui arrive à faire des omelettes sans casser des œufs. Non, mais t'imagines dire ça à des humains? Je suis désolée, mais on ne fait pas d'omelettes sans casser des bébés. Enfin, c'est bizarre. Bah non, parce que du coup, omelette, bah on ne cuisine pas les bébés en fait. C'est pour ça que ma métaphore voilà. Marche. Ah. Ah. Oui, enfin la musique, calme-toi, hein. J'ai juste chopé un vieux wow filet de Colin, ça va quoi. Allez, on va tenter. Oh, et elle appuie sur LR en même temps. Oh. Oh, mais ça va 10 000 fois plus vite. Mais ouais, putain. Mais on va gagner 50% de temps sur les épisodes. Mais étant donné que là c'est le troisième niveau et pourquoi que... ils disent pas quoi. Ah non. Le vrai Sonic, c'est Froggy. C'est. Ah là là, là. Ah, viens, 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 viens. Regarde, tu l'as vu là. Oh oui. Oh regarde. Oui, oui, oui. Non. On en est à 30 minutes. Oh putain, j'en ai pas snobé. Viens, viens, regarde, regarde. Oui. Oui. Ah. Ah. Regarde, regarde. Putain. C'est bon. C'est plein de vitamines. Oui, Froggy. C'est bon pour les petits Froggy, ça. Croquer les petits Froggy. Froggy, enfin. Froggy. Pourquoi t'aimes pas maman? Pourquoi? J'ai tout essayé avec toi. Parce que t'aimes pas ma vraie maman. Ah, c'est vrai. J'ai pas les yeux globuleux comme toi, mais... Oh. La Froggy. Vraie famille, pas c'est celle qu'on choisit. Pas de Froggy chez Mimi. Pardon. Allez, allez, regarde. Ah oui. Mange. Putain, je te jure. Je te jure, je te chope. Je te défonce, mais putain, mais... Attends, attends, excusez-moi, on met une pause ici, j'ai attrapé Froggy. Attends. 5 mètres, 5 mètres, 4 mètres, 4 attends, mètres. J'y vais doucement. Ouais. Oh merde. Oh merde. On a fait 30 minutes. 30 putain de minutes. Non mais c'est, là on est de retour, ça y est, tu l'as attrapé. Mais oui, je sais. Mais vous avez vu la version courte. Je vais sortir, on a dit des bons trucs, on s'est bien marré pendant les 20 minutes mine de rien, mais donc je ferai un petit best-of. Regarde, tu vois. Je suis... Regarde. Oh mais bâtard, je l'ai attrapé, non.